Salut très chers téléspectateurs, salut très chers abonnés. L'heure est à la vérité. Il faut que la dictature cesse. Il faut que la violation des droits de l'homme cesse. Peuple africain, mobilisons-nous pour avoir l'alternance politique. Il faut que la situation change. En prenant l'exemple du Togo et Gabon, la France ne fait que les opprimer par intérêt en leur refusant la limitation de mandat. Très chers Africains, réveillons-nous car l'heure est grave. Il faut qu'on acquiert à notre liberté. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour plus d'infos. Voilà, ces choses faites. La demande d'acquittement total a été prononcée par le juge président Kouno Tafousser. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a pas d'ambiguïté, c'était officiel, c'était limpide, c'était clair. Voilà, chose faite désormais. Voilà, c'est tout. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Voilà, c'est clair. Ce que McDonald's n'a pas fait en 8 ans, nous n'attendons rien qui puisse sortir de sa réclamation de quelque sorte que ce soit. Là, voilà. Alors, donnez des cœurs si vous êtes contents. Voilà, c'est fini. Ces choses faites, tout à l'heure, on va gagner ou on libère. La Cour pénale internationale. Jean-Marc Gogognon, vous étiez dans l'enceinte de la Cour pénale internationale. Vous avez écouté religieusement le président juge Kouno Tafousser et faire son introduction, son entrée en matière en ce qui concerne l'incarcération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous étiez à l'intérieur. Quels sont vos sentiments? Absolument. Je n'ai plus de mots. Je n'ai pas de mots parce que ma joie me prend. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette victoire est la victoire du peuple dans le Côte d'Ivoire. J'en suis fier. Et désormais, avant que la CPI n'amène un Ivoirien à la CPI, ouais. Ou un Africain dans ce pays, oui. Ils ont réfléchi plus d'une fois. Oui. Parce qu'ils ont compris qu'on ne joue pas avec le peuple africain de maintenant. Voilà. C'est une victoire et c'est le début. Oui. D'un processus de libération. C'est ça. Oui. Le processus de la décolonisation. Oui. Oui. Donc pour moi, c'est une grande victoire. Merci. Et je voudrais Prends-moi. Voilà. Alors, c'est désormais clair, c'est désormais officiel. Voilà. Nous sortons juste à l'instant même de l'enceinte de la Cour pénale internationale. Le récit est clair, le récit est sans ambiguïté. Voilà. Aujourd'hui, c'est officiel. L'acquittement total de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Alors, les Ivoiriens, célébrez, parce qu'il n'y a plus rien qui vous empêche de le faire. L'acquittement est total. Voilà, le combat est gagné. Le combat est gagné. Comme vous voyez, on ne se met pas encore partout, on ne met pas encore loin. Voilà, c'est l'euphorie totale. C'est tout. Voilà. Madame, merci.
Voilà, ces choses faites, chers frères, chères sœurs, chers Ivoiriens. Va sur ta vidéo. Va sur ton Facebook d'abord. Va sur voilà, c'est fait.